Rocher, welcome! Bienvenue au Parc national et réserve de Parc national Kluani. Situé sur les terres ancestrales de la Première Nation Kluani, des Premières Nations Champaign et Ajax et de la Première Nation White River. Je m'appelle Katharina et je suis coordonnatrice des programmes d'interprétation pour Parc Canada. Je suis présentement au centre d'accueil Techol Dal, à environ 3 heures de route de Whitehorse, capitale du Yukon. Je suis arrivée à Kluani il y a déjà de ça 7 ans, mais je ne suis jamais repartie. J'ai découvert à Haines Junction une communauté accueillante et un parc national immense où l'on retrouve les plus hautes montagnes du Canada. En collaboration avec les peuples autochtones et le monde universitaire, Parc Canada mène des recherches qui contribuent à notre compréhension des répercussions des changements climatiques. Au bout de cette vallée se trouve l'énorme glacier alpin Kaskawaj qui prend naissance dans les champs de glace Saint-Élias. Depuis le milieu des années 1950, le recul du glacier Kaskawaj s'accélère en raison des changements climatiques engendrés par les humains. Au cours de cette période, deux petits lacs d'eau de fonte se sont formés sur le front du glacier. L'un d'eux alimentait la rivière Kaskawaj et l'autre alimentait cette rivière, l'Aechu, qui rejoint le lac Kluani vers le nord. En mai 2016, une nouvelle gorge s'est formée sur le front du glacier qui, en quelques jours seulement, a détourné toute l'eau qui alimentait l'Aechu vers la rivière Kaskawaj. En une très courte période, le volume de la Kaskawaj s'est gonflé alors que le débit de l'Aechu a été réduit de façon marquée. Ce phénomène s'appelle un détournement de rivière, un processus par lequel une rivière s'empare des eaux d'une autre rivière pour en faire dévier le cours. Le niveau d'eau du lac Kluani a baissé d'environ 2 mètres. Les populations de poissons et les frayères ont elles aussi subi les conséquences de cette capture. Shanitan, Kwanishchish, thank you, merci.